Absolue. Ah ouais, je te rappelle que la dernière fois, sans mon sabre, tu repartais direct dans les scanners. Elle et Lyoko guerrier, ça devrait vous plaire. J'ai bidouillé un petit programme de stats qui analyse toutes vos performances sur Lyoko depuis quelques semaines. Ce soir, si ça vous intéresse, je pourrais vous dire lequel de vous deux est le meilleur. Wow, génial, j'adore les stats. Et comme ça, plus personne ne doutera de ma supériorité. Et puis de toute façon, moi j'ai un truc un petit plus que t'auras jamais. Et ce truc, c'est le style, hein. Tu capes? Génial, seulement le style, ça n'impressionne pas trop les méga tanks. Edith, c'est quoi cette histoire de méga tank? Je connais pas ce nouveau jeu vidéo. Mouais! Petit ours à la ferme! Oublie, trop compliqué pour toi. Très drôle, Della Robbia. Ulrich, t'as 5 minutes. Faudrait que je te parle, mais en privé. Bon, je t'écoute. Ouais, ben voilà. T'es le meilleur ami de Yumi, pas vrai? Ouais, on peut dire ça comme ça. Eh ben, le problème que j'ai, c'est que quand je vois Yumi, j'aimerais, je sais pas comment dire. En fait, c'est un peu comme ce qui se passe dans le dernier épisode d'Horreur aux urgences, tu l'as vu? Ah, tu délires? Tu voudrais tenter de transfuser Yumi avec du sang de caniche? Oh, mais non, moi je te parle de ce qui se passe entre Stacy et le Dr. Schrenk, juste à la fin de l'épisode. Ah, ben ça tombe mal, j'ai justement raté la fin, alors je vois pas du tout de quoi tu parles. Et puis en plus, aujourd'hui, c'est pain au raisin au petit déjeuner, alors mène-toi. Trouver le sourire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il voulait, Johnny? Il voulait se confier. Rigolez pas, mais il craque sur Yumi. Bah quoi, c'est mignon, qu'est-ce que tu lui as dit? T'as essayé de le dissuader en douceur. Vous voulez rire? Pour une fois qu'on peut se marrer. Non, je lui ai dit de ne pas la lâcher, de se coller à elle 24 heures sur 24. Ça, c'est vraiment pas cool. Yumi a horreur des pots de colle. Ce pauvre Johnny va se faire jeter. Bah ouais, et alors? Et alors, Ulrich, t'es qu'un gros pourri, voilà. Eh, ça va pas là, c'est du bizutage. Moi aussi j'y ai eu droit quand je suis arrivée et... Bizutage, mon œil, moi je dirais jalousie, sans blague. Suffit que Kiwi regarde Yumi et t'as le poil qui se hérisse. Oh, je vous rappelle que Yumi et moi, on est copains, point, c'est tout. Salut Yumi. Johnny, salut. Dis, je peux m'asseoir à côté de toi? Ça t'ennuie pas? Je suis vraiment contente de te voir. Ouais, t'es sympa, mais là tu vois, je lis. Je comprends, moi aussi j'adore lire, je dévore tout ce qui me passe sous la main. Livres, journaux, BD. T'aimes les BD, toi? Moi, mon truc, c'est le manga, pas toi? Tu dois super bien t'y connaître, non? Tu pourrais peut-être me conseiller? Non. Bon, je vais manger, à plus. Je t'accompagne. Hé, c'est quand même chouette d'avoir un self comme cantine. Oh, tu prends des crudités? Oui, t'as raison. C'est bon et c'est bourré de vitamines. Sinon, ce que j'aime aussi, moi, c'est le pâte... attends-moi! C'est dingue, tu prends des choux comme moi, on a carrément les mêmes goûts. Ouais, ben moi, dans le 5e territoire, mon record c'est 3 montants en quelques secondes. Ouais, ben les chiffres et toi, j'ai pas confiance, laissons parler les stats de Jérémy. Et c'est où ta place? J'aimerais bien m'asseoir à côté de toi. Je vais chercher de l'eau, tu permets? Alors, t'en es où? Bah, je sais pas trop, j'ai l'impression que je l'énerve, que je suis un peu trop collant. Arrête, tu connais les filles, pas vrai? Allez, accroche-toi, après la cantine, elle va au gymnase. Va t'entraîner avec elle et demande-lui des conseils. Elle adore ça. Bon, d'accord. Super, Yumi. Tu me sers un verre d'eau? Mmh.
Eh ben moi, à la question 2, j'ai répondu que la Chine s'étendait sur les vallées des grands fleuves d'Asie orientale, à savoir entre autres le Huanghe, le Hongzhikiang et le Xikiang. D'accord, et toi, Aude, à la 3, t'as répondu quoi? Eh ben que la Chine était le pays le plus peuplé du monde avec 1 milliard d'habitants au mètre carré. Ben quoi, c'est pas ça? Vous voyez pourquoi je me méfie de sa façon de compter. C'est quoi ce pain? Vous avez vu tous ces corbeaux? C'est pas normal ça. Ça me rappelle un film où une bande d'oiseaux comme ça attaquait toute une ville. Ça faisait même pas peur, un vrai navire. Dis voir, Jenny, t'as l'intention de me suivre comme ça toute la journée? Moi? Hein? Hé, vous avez vu le cycle dans ses yeux? Il est possédé par Xana. Vas-y. Moi, Ad, les quoi? Les corbeaux? Non, je vois pas. Oh, ok, là, je vais, j'arrive. Hé, hey, Yumi, attends-moi. Non, toi, tu restes ici, t'as compris? Jenny, fiche le camp! C'est après moi qu'ils en ont! On va s'offrir un bain de foule. On va les occuper. Aelita et Jérémy à l'ascenseur, on vous rejoint. J'ai pas compté. Et au cas où tu voudrais tricher, je te signale que les corbeaux n'entrent pas dans les stats. Il n'y a que les monstres de Xana qui comptent. Je vais essayer de joindre Yumi. J'espère qu'elle s'en sort. Mmh.
panique. Je vais déjà vous virtualiser du côté de la tour activée, après je m'occuperai de Yumi. Allez. Ah non, trop tard. Transfert Aelita. Transfert Oz. Scanner Ulrich. Scanner Aelita. Scanner Oz. Virtualisation. La tour activée est sud-sud-ouest, dans un cratère. N'oublie pas de lancer ton programme de stat, Einstein. Tu vas pleurer quand tu verras les résultats. Oh. Ça m'étonnerait. Et de toute façon, est-ce que tu m'as déjà vu pleurer pour une mauvaise note? Non, et heureusement, sinon toute l'école serait déjà noyée sous les flots. Réjouissez-vous, le duel de stat va pouvoir commencer. Vous avez rendez-vous avec une bande de crabes. Allez, dépêche-toi, Ulrich, ou il te restera que les carapaces. Ça, c'est ce qu'on va voir. Génial, style hot. Bah vas-y, va t'occuper des crabes si t'es si malin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de corbeau aux yeux rouges? C'est vrai, monsieur, je vous jure, ils sont entrés dans le gymnase et ils ont attaqué Yumi. Tenez, regardez, les vitres. Alors, je vous l'avais dit. Yumi? Allô, oui? Mais c'est vous, monsieur Delmas? Eh bien, oui, c'est moi. Et Yumi, elle est avec vous, monsieur? Oui, elle est ici, dans la remise, et elle a l'air groggy. Jean-Pierre, il faut l'emmener à l'hôpital. Bon, écoutez, désolé, belle poix, mais je n'ai pas le temps de discuter. Je dois appeler une ambulance pour votre ami. Il faut que je vous laisse. Ulrich, Odd, Aelita, oh, vous m'entendez? Répondez. Yumi est blessée, je vais devoir lancer un retour vers le passé. Mais d'abord, vous devez désactiver la tour, et vite! Compris? Laisse-le-moi. Pleine cible. Ouais, bah c'est pas du jeu. Bon, Odd et Ulrich, un peu de concentration. Je ne devrais pas avoir à vous rappeler que Yumi est blessée et qu'il y a une tour à désactiver. Flèche laser! Si maladroite tous les deux.
Bien dit, Aelita. Vous y comprenez quelque chose, vous, à cette attaque de corbeau électronique? Non, jamais entendu parler de ça. Enfin, sauf quand j'enquêtais sur les phénomènes paranormaux dans la section spéciale des services secrets. Ah, vous avez fait ça, vous? Oui, mais je ne peux pas vous en parler. C'est secret confidentiel défense. Génial, Aelita a été capturée par la méduse, j'ai des frelions aux fesses et j'ai perdu mon sabre. Alors aide-moi, fais quelque chose. Je veux bien, mais c'est plus compliqué que petit ours à la ferme. Je vais déjà essayer de m'occuper du sabre. Oh non! Oh non, c'est pas vrai! Super Sprint! Encore là, toi? Ben oui, je suis là, de toute façon je te quitte plus. Enfin, c'est quoi cette manie de me suivre partout? Bah, je suis les conseils d'Ulrich, il m'a dit que c'était le meilleur moyen pour que tu t'intéresses à moi. J'aurais dû m'en douter. Oh, mais quel gros jaloux celui-là. Ulrich? Jaloux? Mais jaloux de quoi? Moi, rien. Mais je bouge vite. Odd, il faut surtout éviter qu'Aelita entre dans la tour du passage. Essaye de lancer le retour vers le passé. Je sais pas, mais je crois me souvenir que quand elle est sous l'emprise de canon, c'est pas un truc à faire. Essaie au moins de me reprogrammer un sabre. Ça y est, j'y suis presque. Et voilà, ça y est. C'est bon. Ouais, génial. Oh non, c'est raté. Bon ben, désolé. Super Sprint. Ça me casse les pieds.
dans le gaz à ce point-là. Hein, aïe, ça va pas. Yumi. On ne passe pas. Oh non! Allez, tiens le coup, Yumi! Ulrich, écoute! C'est moi, je suis de retour! Alors, qu'est-ce qui se passe? T'as besoin d'aide? Non, trop tard! Alors, qu'est-ce qu'on a? Jeune fille, 14 ans, blessures multiples et perte de connaissance. C'est fichu. Pour le territoire du désert, oui. Pour Yumi, j'espère que non. Grouille! Retour vers le passé. Très drôle, Delarobia. Alors? C'est bon. Tout va bien. Yumi est saine et sauve. Ouais. Mais elle sait tout pour le bizutage de Johnny et crois-moi, elle est furieuse. Ah, on t'avait prévenu. Ulrich, tu... T'as 5 minutes. Je voudrais te parler. En privé. Pas de problème. Eh ben, tu vois, je... Quand je vois Yumi, ben, je... Ça va, j'ai pigé. Tu l'aimes bien et tu sais pas quoi faire pour qu'elle s'intéresse à toi. Bah oui, c'est ça. Comment t'as deviné? L'instinct. T'inquiète, j'ai un truc infaillible. Ah bon? Ouais, elle va adorer. Tu vas aller la voir et voilà ce que tu vas lui dire. Voilà. Ulrich est un gros naze, un abruti et il est désolé pour son bizutage foireux. Ah, d'accord. Bon, si tu venais t'asseoir, on pourrait réviser tous les deux. Tous les deux? Toi et moi, ensemble? Eh ben oui. Ouah, ben ça, il est trop fort, Ulrich. Ouais, t'as raison. Eh, ça y est, j'ai les stats de vos derniers combats sur Lyoko. T'es prêt à manger ton gobelet? Moi, je dis que c'est toi qui vas avoir du mal à le digérer. Lyoko guerrier du mois, meilleure performance, Aelita. Hey. Finalement, les statistiques, ça rime vraiment à rien. C'est pas ça qui fait la vraie valeur d'un Lyoko guerrier. Ouais, là, je suis d'accord avec toi.